Bandiraɓe ya rewɓe worɓe, on jaɓɓama ha nder sudu jangin fulfulde. Bonjour la famille, bonjour la communauté, bonjour les amis. Vous êtes les bienvenus ici sur Fulfulde Classe. C'est toujours un énorme plaisir pour moi de vous avoir ici avec moi. À vous les nouveaux, soyez les bienvenus. J'ai une surprise pour vous. Dans la barre de description, il y a un livret intitulé « Mes 491 premières expressions pour maîtriser le Fulfulde ». Je suis heureuse de vous annoncer que vous n'avez pas besoin des bases en Fulfulde, mais juste d'un niveau basique en langue française pour pouvoir lire les expressions. Vous n'avez donc qu'à lire l'ouvrage, le livret autant pour moi, et venez ici discuter avec moi. Vous serez certainement comme un natif bientôt. Dans cette nouvelle vidéo, je me propose de parler avec toi de comment est-ce qu'on demande à quelqu'un s'il a passé une belle nuit en Fulfulde. Comment est-ce qu'on demande à quelqu'un s'il a passé une belle nuit en Fulfulde? Le titre te parle? Alors, qu'est-ce qu'on fait ici sur Fulfulde Classe? Ici, on parle du Fulfulde. On apprend notre belle langue. Ici, on cherche à sortir de la culturation. Ici, on veut connaître l'histoire de nos pères. On veut connaître l'histoire de nos aïeux parce que c'est notre identité culturelle. À eux, oui, nous nous identifions. La suite. Bonjour les amis, bienvenue sur Fulfulde Classe. Dans cette vidéo, je me propose de parler avec toi comment est-ce qu'on demande à une personne s'il a passé une belle nuit en Fulfulde. À la fin de cette vidéo, tu dois t'assurer que tu connais comment est-ce qu'on demande à quelqu'un s'il a bien dormi en Fulfulde. Ne sors pas d'ici bredouille. Assois-toi confortablement. Tu peux prendre de quoi noter si tu fais partie de ceux qui pensent que les paroles sont vont. Mais les écrits restent. On commence alors avec le merveilleux contenu de cette vidéo. Awali Jamna. Awali Jamna. A. A. Wali Jamna. Awali Jamna. A. Wali Jamna. Très rapidement, analysons le contenu de cette phrase. A. Il n'y a rien d'autre que le pronom personnel tu. Deuxième personne du singulier. Pronom personnel tu, deuxième personne du singulier. Pour ceux qui n'ont pas encore regardé la vidéo sur les pronoms personnels, je vous encourage fortement à regarder cette vidéo. Le lien s'affichera en haut. Vous cliquez et vous regardez la vidéo pour être en phase avec nous. Les pronoms personnels en Fulfulde. Ah, c'est donc ce pronom personnel de la deuxième personne du singulier qui veut tout simplement dire tu en français. Wali ici. C'est le verbe walogo qui veut dire dormi, sens littéral du terme, qui veut dire dormi en Fulfulde. Qui veut dire dormi? Le verbe est donc conjugué au présent de l'indicatif à la deuxième personne du singulier. Verbe est conjugué, wali, le verbe walogo conjugué à la deuxième personne de l'indicatif. À la deuxième personne du singulier, autant pour moi, au présent de l'indicatif. Jam, comme vous le savez tous, c'est pour dire paix, bien et tout ce qui est très bien et amélioratif. Ensuite, nous avons Na. Comme j'ai l'habitude de vous le dire ici sur Fulfulde Classe, Na vient introduire une interrogation. Awali Jamna. Awali Jamna, qui veut tout simplement dire est-ce que tu as bien dormi? Est-ce que tu as bien dormi? Il y a donc une autre façon de dire en Fulfulde. Est-ce que tu as passé une belle nuit? On dit tout simplement Onfini Jamna. Onfini Jamna. Onfini Jamna. Onfini Jamna. Très rapidement, comme mal accoutumé, on va analyser la phrase. On ici, c'est le pronom personnel, vous. Pronom personnel, vous. Deuxième personne du pluriel, vous. On. Fini ici, c'est le verbe finugo, se réveiller.
le verbe finugo, qui veut dire se réveiller, conjugué au présent de l'indicatif. On, vous, fini, le verbe finugo, conjugué au présent de l'indicatif. Jam, bien, paix. Na, pour introduire une question. C'est qui donne le on, fini, jam, na, qui veut tout simplement dire est-ce que vous vous êtes bien réveillé? Est-ce que vous vous êtes bien réveillé? Vous voyez donc que vous pouvez donc changer le pronom personnel en fonction de l'exigence. Si vous voulez parler à un aîné, en full full day, on vous voit les aînés. Si vous voulez parler à votre égal, vous n'avez pas besoin de vous voir. Ou bien si vous voulez parler à une personne qui est inférieure à vous, vous changez de pronom personnel en fonction de là où vous êtes. Si vous voulez demander si c'est plutôt une autre personne qui s'est bien réveillée, au fini jamna par exemple, il s'est bien réveillé. Autant de choses. Vous comprenez? Puisque ici, je vous donne un basique nécessaire. Vous aurez tout le basique nécessaire pour pouvoir facilement vous insérer socialement avec les Fulbe, facilement vous exprimer avec eux. Donc, vous aurez une petite aisance sur le basique de la langue, en fait. Vous me demanderez donc certainement et sûrement comment est-ce qu'on répond. Pour répondre, c'est simple. Nous avons déjà vu ici, sur une vidéo, les trois différentes façons de répondre aux salutations. Vous pouvez donc dire « Jam ». Jam, vous pouvez dire jam tout court. Que ce ne soit pour ne pas être très long, vous pouvez dire jam tout court. Vous pouvez tout simplement dire jam ou bien alhamdulillahi. Alhamdulillahi, c'est une expression en arabe. En foulful de alhamdulillahi, il veut tout simplement dire yettore wodani jaumirao. Yettore wodani jaumirao. Yettore wodani jaumirao. En français, Alhamdulillah, vous tout simplement dire je remercie Dieu. En fait, vous les avez dit Yetore Odani Jomirao ou bien Allah Yetama pour dire nous remercions Dieu. C'est Dieu que nous remercions. On passe donc à l'exercice. Awali Jamna. Awali Jamna. Awali Jamna. Qu'est-ce que ça veut dire en français? Awali Jamna. Ça veut tout simplement dire, est-ce que tu as bien dormi? Est-ce que tu as bien dormi? Awali jamna, est-ce que tu as bien dormi? On fini jam? On fini jam? On fini jam? Qu'est-ce que ça veut dire en français? On fini jam? On fini jam? Ça veut tout simplement dire, est-ce que vous vous êtes bien réveillé? Est-ce que vous vous êtes bien réveillé. Je vous remercie donc d'être resté jusqu'à la fin. On famina? Wale wiyam ton fami ou sénifo. Ton fama y windani ya. Wale wiyam. Ton fama y windana. C'est toujours un énorme plaisir pour moi de vous avoir ici avec moi. Foul foul des classes. Dabi amé, denis seyeso.